Bonjour. Oui. Dites-moi, est-ce que cette maison s'appelle bien les Grands Feuillages? Que voulez-vous? J'ai entendu parler de cette maison très souvent par de bons amis qui y ont séjourné quelque temps, et comme je passais dans les environs, j'ai voulu la voir. Et à vrai dire, je tiens beaucoup à prendre des photos de cette maison, et j'espérais qu'il serait possible d'entrer dans le jardin. Aucune visite n'est autorisée. Ah, et croyez-vous qu'en s'adressant à celui qui possède cette... Il n'est pas ici. Ah bah excusez-moi, et qui est cet heureux homme? Le propriétaire est Lord Brett Sinclair. Vous avez bien dit Lord Brett Sinclair. Bon, et bien vous êtes très gentil avec les étrangers, c'est très rare. Voilà, au revoir. À bientôt. Alors? Rien, rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu décides? Le mur n'est pas haut, heureusement. Il y a une question que j'aimerais te poser. Pourquoi escalader le mur de ta maison? Je t'expliquerai plus tard, c'est très compliqué. Oh. Merci de ton aide, Daniel. Mais pourquoi entres-tu chez toi comme si tu étais un voleur? Eh bien, la semaine passée, un événement inattendu m'a soudainement poussé à revenir ici. Oh, il y a 6 ou 7 ans que j'ai quitté cette maison. Elle est tenue par un domestique qui sert aussi de gardien. Et elle tombe presque en ruine. Je l'ai complètement négligée. Allez, viens. J'appelle pas ça une ruine. Je n'y comprends rien. Je n'ai effectué aucun entretien depuis des années. Alors, on l'a fait à ta place. Il faut absolument demander la raison. Pas encore. Il nous faut un plan d'action. Ah. Dans de pareilles situations, je me rappelle la devise de mon école. Concilio et prudentia. Voilà. Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Sagesse et prudence. Sagesse... Ah, bah oui. Bonjour, Carter. Heureux de vous revoir, Milord. Ward. Oh, Dieu du ciel! Oh, que je suis heureux, Lord Brett. Oh, merci, Ward. Voici un de mes amis, Danny Wilde. Enchanté, monsieur. Comment allez-vous, Gregory? Heureux de vous connaître. Ben, ça fait de nombreuses années qu'il n'y a pas eu de Sinclair dans ce bar. Mais qu'est-ce que je vais vous donner à boire? Une pinte de cidre. Il est toujours aussi fort. Oh, splendide. Daniel. Je voudrais un... Il place un rat dans chaque tonneau pour corser le bouquet. Alors un martini. Nous savions que vous reviendriez très bientôt, Milord. Nous avons vu que les Grands Feuillages ont été précipitamment remis en état. Oh, ils en avaient besoin depuis longtemps. D'abord, nous avons appris la nouvelle par ce vieux Morhead. Il s'est précipité ici pour nous mettre au courant. Il avait été rendu comme fou par la nouvelle. Ah, il a bu 12 pintes de cidre pour célébrer ça. 12 pintes? Il tenait debout? C'est assez difficile à dire. Il était dans un tel état. Ah, ça va être la fête quand tout le village va apprendre que vous êtes ici. Ward? Oui, Milord? Je ne suis pas ici. Hein? Je ne suis pas ici.
D'accord, Milord. Je passerai le mot. Ce n'est pas tout. Je voudrais aussi utiliser la trappe secrète en fin de soirée. Il y a bien longtemps qu'elle n'a plus été ouverte, hein, Milord. Ça nous rappellera des temps heureux. Ah, je dois vous dire que ça me fait chaud au cœur de voir les grands feuillages enfin renaître. Jackson, je vais me coucher, éteignez tout. Bien, monsieur. Bonsoir. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, M. Carter. Bonsoir, Rand. Bonsoir. Je vous ouvre la trappe? Oui, merci, Ward. Je repasserai prendre le manteau plus tard. Oui, comme vous voulez. Allez, viens, Daniel. Soyez très prudent, monsieur. Je voudrais vous dire une chose, monsieur. Faites attention au troisième échelon à partir du bas. Trop tard, pardon. Merci du conseil. Oh, mais c'est aussi grand que dans les couloirs du métro, ici. Où est-ce que ça mène? En plein milieu d'un des salons. Oh, Dieu, mais t'as pas les moyens d'avoir une porte d'entrée normale? Non, ce serait beaucoup moins amusant. Ça va, Ward, vous pouvez refermer. Dépêchons-nous. Allez, viens, suis-moi. Mais tu pourrais m'attendre. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un rat. Il y en a de très gros ici. Ne leur marche surtout pas sur la queue. Daniel. Quoi? Tiens, regarde ça. Bah, c'est un mur en briques. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a plusieurs siècles, l'un de nos ancêtres avait découvert que sa femme s'était montrée infidèle. À qui? Mais à lui-même, voyons. Et comme c'était un homme très jaloux en plus, un soir, il réussit à faire venir son rival ici. Et alors, sous le prétexte de goûter à sa dernière récolte de vin... Arrête. C'est Edgar Poe. Les deux types descendent, se saoulent tous les deux et l'amant s'endort, c'est ça? Exact. Et ensuite, le mari l'emmure vivant, exact? Oui, c'est un peu ça. Il a travaillé toute la nuit. Hé, hey, mais attends-moi! Brique par brique, jusqu'à ce que la dernière soit mise en place. Et ensuite? Ensuite, il a estimé qu'il avait le droit de dormir. Attends. Et ensuite, le mari l'a laissé mourir de faim, exact? Oh, non. Mon ancêtre, qui avait lui aussi beaucoup bu, se tenait du mauvais côté du mur, et c'est lui-même qui l'avait emmuré. Bon, alors je te suis pas... Dérange. Avec un rien, tu pourrais monter un cabaret à la mode. Fantastique. Oh. Attends, laisse-moi essayer. Je vais... Daniel. Tu sais, Brett, que cette maison est magnifique. Fantastique. Daniel, c'est vraiment très curieux. Oh, ça, le... approche. Tous les meubles et tous les tableaux qui sont là avaient été mis de côté il y a des années. Mais regarde ça. C'est toi, là? Oui, avec mon père et ma mère. Bon, on peut dire que t'étais un joli bambin. Hein? C'est vrai. C'est dommage que t'aies grandi. Oh, et celle-là? Oh. Mais t'avais de jolies jambes. Oh, elles ne sont pas à moi. Je les avais empruntées pour l'occasion. Oh.
Bonsoir, Jackson. Bonsoir, mademoiselle. Ça y est, tu peux sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Veux-tu aller voir s'il était seul? Alors bon, qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais il faut qu'il pense avoir eu affaire à des voleurs. T'as donc rien dans le crâne, toi? Regarde ça. Écoute, c'est adressé à Benny Ryan, impresario, et ça dit « Cher monsieur Ryan, voici de récentes photographies. Un sosie est bien sûr impensable, mais une bonne doublure suffira. L'acteur sera payé plus de 200 livres s'il est convenable. » Signé Pierce Emerson. Tu le connais? Non, ça me dit rien. C'est dommage que tu sois aussi laid. Tu aurais pu essayer de passer un instant pour moi. Et en plus, c'est très amusant. Gagner un joli magot. C'est très, très amusant. Ah oui, t'es amusant, tu sais, toi, dans une noce. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je vous répète que ce garçon a déjà fait plusieurs rôles de cette manière. Mais il n'y aura plus de force. Oui, bien vous entendu. Vous entendez, Benny? En particulier dans le noir qui rien jaune. Vous en avez certainement entendu ce sera parler. Formidable, Benny. Oui, il apparaissait au dernier acte seulement. Mais il avait un rôle capital pour l'intéresser. Il faut le reconnaître. Et ce garçon est demandé par la compagnie royale de Shakespeare. Qu'est-ce que vous lui reprochez à sa taille? Est-ce que Shakespeare a dit qu'Hamlet était grand? Oh oui, d'accord, d'accord. Non, je vous le répète encore une fois, tout ce que nous voulons, c'est trouver un bon scénario. Excusez-moi, ce sera une scène choc, Benny. Enfin, écoutez-moi, mais il est toujours aussi qu'est-ce que vous dites de lui parler. Je devrais changer d'impresario. Vous devriez plutôt changer de profession. Il aurait dû réussir à me lancer depuis longtemps. Écoute, fiston, si tu étais une vedette connue, je n'aurais rien pour toi. Nous sommes débordés de demandes, vous êtes beaucoup trop nombreux. Et là, enfin, je réussis de nouveau à l'approcher. Qu'est-ce que vous lui faites, alors? Eh bien, je mets le feu à sa robe. Oh, ce sera merveilleux, j'aurai cette robe en flammes. Tout le monde dit que j'ai de très grandes qualités. Oui, alors ça se passera de cette façon-là, Benny. Je la fais brûler... Oh, il faudrait voir ça, Benny. Entendu. Alors n'en parlons plus. Oh, attends une minute, fiston. Tu as quelque chose... Ton allure physique dégage une sorte de magnétisme. Je pourrais peut-être te faire une faveur. Et je peux jouer tous les rôles, tous les genres, du dramatique au... À bientôt. Oh, ah non, mais Benny, écoutez, voyons. Écoutez-moi, encore un instant, voyons, vous le regretterez. Il faut absolument que sa robe s'enflamme. Et comme vous voudrez. As-tu déjà joué le rôle d'un lord? Je suis allé jusqu'au rang de prince. Parfait. Alors j'ai quelque chose pour toi. Tu devras raser tes moustaches, changer d'allure. Tu pourras alors ressembler à cet homme. Ensuite, cela fait, présente-toi tout de suite à cette adresse. Hein? C'est un nouveau théâtre? Non, ce sont des gens qui organisent une farce. Tu devras jouer un Lord Sinclair. Et on te paiera, attends, 20 livres par semaine. Et je ne veux aucune commission. Je vais les prévenir de ton arrivée. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu voudrais que j'applaudisse? Comment je vais payer le voyage? Allez, rendez-moi ça. Merci. Nous vous attendions plus tôt. Je vais annoncer votre présence. Attendez ici, voulez-vous?
Je suis John Hassox. Pierce Emerson, Mélanie Sadler. La taille est correcte. La corpulence est très voisine. Le profil ressemblant. Alors, qu'en dites-vous? Bien, il faudrait qu'il se change. Emerson? Oui, elle a raison. Est-ce que vous saurez personnifier Lord Sinclair? Je crois que oui, monsieur. Avez-vous joué des rôles d'aristocrate auparavant? Ah, bien sûr, oui. D'accord, emmenez-le là-haut, qu'il rase ses moustaches, ensuite nous verrons. Merci, monsieur. La salle de bain se trouve derrière. Les vêtements sont ici. Venez-vous choisir une tenue? Qu'est-ce que vous me conseillez, madame? C'est vous l'acteur, alors prenez une tenue qui vous inspire. On ne vous apprend pas à vous habiller dans vos cours. Dites-moi, pourquoi portez-vous ça? Ça? Non, les moustaches. Oh, parce qu'elles me donnent un certain genre. Elles vous en les disent. Une fois rasé, vous devriez être supportable. Allez, préparez-vous donc. Et ne soyez pas trop long. Nanana. Ouf! Alors? Eh bien, mais il se change. Je ne sais pas s'il conviendra. Il n'a aucune classe. Oh non, je ne suis pas certaine de ça. La ressemblance est remarquable. Il est fort possible que ça suffise. Oh, j'en doute encore. Oh, Hassox Emerson. Heureux de vous revoir. Je comptais vous offrir une chasse à court, mais hélas, le gibier devient rare sur nos terres. Les braconniers en étaient venus à utiliser les grenades. Oh, très jolie chemise. Dernière création. Mélanie, ma chère, vous êtes très en beauté. Allons donc dans la bibliothèque, nous serons mieux installés. Vous, quel est votre nom? Jackson. Jackson, le thé dans 20 minutes. J'espère que cette démonstration suffira à vos amis. Eh bien, mais veuillez donc vous asseoir, ma chère, et installez-vous confortablement. Accordez-moi simplement le temps de lire ça. Mais... Convaincant, hein? Qu'en dites-vous? Remarquable. Dans son cas, la biffe est le moine. Oui, mais le rôle d'un homme d'esprit est très délicat. Croyez-vous pouvoir être un tel homme? Oh, si vous l'êtes, je le serai. Mais qu'insinuez-vous par là? John, ne soyez pas aussi vexé. C'est une superbe impersonnalisation. Je suis d'accord. Après l'examen final, nous saurons. Le... Quel examen final? Une dernière audition. Nous allons vous mettre en présence de quelqu'un qui pourra vous juger encore mieux que nous trois. Oh, mais c'est un peu tôt, non? Je ne connais pas Sinclair, j'essaie de le jouer superficiellement, mais je ne connais rien de son intimité, ni aucun détail de sa vie. L'improvisation est un aspect important de ce rôle. Triompher de l'épreuve, et la partie sera gagnée. Allez l'appeler, Mélanie. Morehead, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Attendez une minute, c'est beaucoup trop difficile. Donnez-moi au moins quelques précisions. Cet homme s'appelle Morehead. Il a travaillé dans cette maison presque toute sa vie. Et il a connu le vrai Brett Sinclair depuis la naissance de celui-ci. Alors, il parlera sans aucun doute de choses que je ne connais pas du tout. Miller. Morehead, quelle joie de vous revoir. Merci, monsieur. Puis-je dire que je suis aussi très ému de vous revoir? Oh, merci, Morehead. Les années n'ont eu aucune prise sur votre allure. Oh, il y a longtemps que je suis parti, n'est-ce pas? Oui, ça fera 7 ans déjà à la fin du mois en cours. 7 ans, mon Dieu, que le temps passe donc vite. Est-ce que les rénovations sont bien à votre goût, Miller? Oh oui, c'est splendide, splendide, splendide. Vous êtes trop indulgent. J'ai appris dans les journaux du mois passé comment le pauvre Lord Reginald avait eu ce malencontreux accident. Oui, c'est exact. Ce fut très malencontreux. C'est désolant. Est-il rétabli de ses graves blessures? Presque, oui. C'est-à-dire qu'il est convalescent maintenant. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux vous être utile, Miller?
Eh bien non, je ne pense pas. Pas pour le moment. Merci, Morhead. Laissez-nous. Oui, vous pouvez, Morhead. Ce sera suffisant pour moi. Pour moi aussi. Félicitations, Lord Sinclair. Eh bien, vous êtes engagé. Non. Comment ça? Je ne tiens pas beaucoup à ce rôle. On m'avait dit qu'il s'agissait d'une plaisanterie, et je me perçois qu'en fait, c'est très sérieux, et j'aimerais en savoir plus. Il faut vous dire que c'est une affaire secrète. Oui, c'est au nom du gouvernement que nous sommes ici. Du gouvernement? C'est vrai? Oui, eh bien, je suppose qu'il est normal de vous apprendre toute la vérité. Je vous écoute. Vous avez déjà dû comprendre que nous nous trouvons dans la propriété de Lord Sinclair. Ah, ça oui. Lord Sinclair a très aimablement mis sa demeure à la disposition du gouvernement pour abriter une entrevue secrète avec Richard Congoto. Congoto? Oui. C'est le premier ministre de la Zambie. La Zambie est un état d'Afrique centrale. Oui, je vous remercie, je connais. Congoto est particulièrement dur à rencontrer. En fait, il a refusé tout contact avant de savoir que Lord Sinclair avait donné son assentiment à ce projet. Ils ont longtemps été étudiants ensemble. Par la suite, Sinclair a décidé brusquement de se retirer. Il a fait ça? Oui. Il est imprévisible. Ah oui? Il refuse toute intervention dans la discussion, ce qui crée une position difficile pour nous. Oui, si Sinclair n'est pas là lorsque Congoto arrivera, nous craignons qu'il reparte sur le champ. Et cette entrevue qui est vitale pour notre pays ne pourra avoir lieu. Oui, mais s'il était à l'école, je veux dire à l'école avec Sinclair... Oh, ne vous inquiétez pas, ça remonte à très longtemps. De toute manière, nous ferons en sorte de ne pas vous laisser trop souvent seul avec lui afin d'éviter les nostalgiques souvenirs de votre passé. Et je vous apprendrai toute son histoire. Vous n'aurez qu'à retenir quelques faits et à les répéter ensuite. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on vous a appris à faire, n'est-ce pas? Les acteurs sont comme les politiciens. Ils disent ce qu'on leur demande de dire. N'oubliez pas, toute cette affaire se passe dans la plus grande discrétion. Vous iriez en prison s'il vous arrivait d'avoir la langue trop longue. Ensuite, qui était le surveillant? David Hamelin, que l'on appelait Pied-Plat. Et que s'est-il passé la dernière semaine? J'ai failli être renvoyé. Pourquoi? J'avais amené quelques jeunes filles dans le pensionnat. Vous êtes doué. Nous avons accompli un gros travail. Ah oui? Nous aurions pu faire beaucoup plus. Vous avez encore beaucoup à étudier avant de vous amuser. De toute manière, je vais me coucher. Demain matin, vous prendrez une leçon d'équitation à 8 heures. Soyez prêts. Bonne nuit. Oh! Bonne nuit. Morhead, approchez. Je suppose que vous avez remarqué qu'il se passait des événements curieux ces temps-ci. Mais oui, j'avais cru déceler un certain courant d'intrigue, Miller. Demain matin, vous recevrez une lettre d'un parent qui vous réclame, sa femme étant subitement tombée malade, et vous partirez. Et avant, vous direz à ces messieurs que vous avez réussi à trouver un bon remplaçant durant votre absence. Tenez, voici une lettre que vous porterez en personne à un de mes amis. Entendu, Miller. J'expliquerai tout en temps utile. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui, Morhead. Le reste du personnel de l'artillerie. De l'artillerie, Morhead? Je vous prie de m'excuser pour les ennuis que je vous cause, mais laissez-moi vous répéter que vous serez certainement satisfait de mon remplaçant. Ce sont des choses qui arrivent. J'espère pouvoir être bientôt de retour. Est-ce que Morhead nous quitterait? Oui, une affaire de famille, s'il faut croire sa version. À quelle autre raison pensez-vous? Peut-être a-t-il vu que vous n'étiez qu'une doublure. C'est ridicule. Il sait bien voir quand un homme est d'une haute lignée. Voyons donc quelles sont vos connaissances en équitation. Congoto aime les promenades et Sinclair est réputé pour avoir une bonne assiette. Il n'est certainement pas le seul. Pas mal. Où avez-vous appris à monter comme ça? Oh, j'avais un important rôle dans la charge de la brigade légère. Voyons ce que vous avez fait dans la vallée de la soif.
Non, pas par là. Attendez. Comment saviez-vous? Oh, moi, je ne savais rien. C'est lui qui savait. Ensuite, j'étais avec mon régiment en Corée, où j'ai gagné de nombreuses décorations, mais je suis très modeste et je n'en parle jamais. Mon officier supérieur était le colonel Frank Buckingham. Oui? Le remplaçant de Morehead est là, monsieur. Prospector Jackson, nous sommes occupés. Certainement pas. Je tiens à consulter ses références, c'est compris? Quel est votre nom? Grégor Milor. Eh bien, Grégor, je suppose que vous avez de bonnes références. Oui, Milor. Merci. Ah, vous avez travaillé chez Lord Mendham. Oui, Milor. Eh bien, Mendham ne s'est jamais montré très difficile. Vous verrez que dans cette maison, il n'en est pas de même. Par exemple, nous essayons de décourager dans notre personnel l'emploi de ces lotions nauséabondes qui offensent l'odorat. Et vous irez donc vous laver avant de prendre votre service. Jackson va vous montrer vos quartiers. Oui, Milor. Et ça pourra vous servir. Merci, Milor. Plutôt que vous ne le croyez. Monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur. Lord Sinclair, c'est un plaisir de vous rencontrer. Puis-je vous présenter mon ministre des Finances, le docteur Kibou? Très honoré. Et ma fille, Carmen. Enchantée, mademoiselle. Bonjour. J'aimerais vous présenter John Assocks. Docteur Kibou, voici Mélanie Sadler. Enchantée, mademoiselle. Et votre Excellence, voici Mélanie Sadler. Enchantée. Mademoiselle Congotto, Mélanie Sadler. Très heureuse. Voulez-vous entrer? Ce sera avec une profonde joie que je verrai tout le monde plus tard, mais le voyage a été très fatigant. Oh oui, je vous crois volontiers. Ces voyages sont ennuyeux à mourir, mais ils sont parfois nécessaires. Laissez-nous. Peut-être pourriez-vous me montrer où est ma chambre, Lord Sinclair? Avec plaisir, après vous. Congo. Vieille crapule. Je suis heureux de te voir, ça remonte à longtemps. Heureusement, les journaux me parlent de toi assez souvent. Oh, et toi, tu monopolises les premières pages. Dis donc, quand tu m'as reçu tout à l'heure, tu m'as bien fait notre vieux signe d'alerte. Tu voulais donc me mettre en garde? Je ne peux rien dire encore. En fait, je ne sais pas trop quoi penser. Je serai plus catégorique quand je saurai pourquoi tu es là. Mais tu le sais, voyons. Tu as tout arrangé. Non, je n'ai rien fait. Assieds-toi. J'ai seulement été mis au courant de ta venue par un énorme coup de chance. Continue. J'ai reçu un avis de crédit venant d'un entrepreneur de travaux. Il s'agissait de constructions effectuées ici alors que je n'avais jamais rien demandé à quiconque. Alors je suis venu dans cette maison pour découvrir cette nouvelle décoration, ainsi que tous ces gens qui t'ont accueilli ici. Alors tu crois que j'ai eu tort de venir? J'en ai l'impression. Qu'est-ce que tu es venu faire? Mener des conversations avec votre gouvernement en vue d'exploiter nos importantes mines de nickel. J'avais refusé de venir tout d'abord. Oui, mais tu es là en tout cas. Mais seulement dans le plus grand secret. Personne ne sait que j'ai quitté mon pays. On m'a raconté que c'est toi en personne qui avais organisé cette conférence. C'est quand j'ai su que tu couvrais l'affaire que j'ai accepté de prendre ce risque. Qu'est-ce qu'il prépare, Brett? Je n'en sais rien, mais nous le découvrirons toujours assez vite.
Pardonnez-moi. Votre Excellence, le thé. Puis-je vous servir? Merci. Quel est votre nom? Grégor, Votre Excellence. Grégor, oui. Vous êtes étranger? Oui, c'est exact. Je viens de Hongrie. Oh, ça c'est curieux. D'où en Hongrie? De Budapest. J'ai vécu 2 ans à Budapest, à l'université. Blikorioski. Du sucre? Oui, allez-y. Aet coca, s'il vous plaît. Ah oui, vous n'avez jamais été en Hongrie. Mais à quoi le voyez-vous? Je commence également à douter que vous soyez un domestique. Écoutez, je suis de votre côté, Excellence. De mon côté? Oui, et cet endroit est truffé d'escrocs. Que suggères-tu? Il faut attendre qu'il fasse un mouvement. Ça nous donnera le temps d'imaginer un plan. Je vous rappelle cette belle formule, concilio et prudentia. Ne l'oubliez pas. Sagesse et prudence. Allez-vous changer pour le dîner? Ah oui. Oh, que savez-vous du troisième des Sinclair? Ce n'est pas le troisième, mais le cinquième. Le troisième est mort à 3 ans et on n'a pas de portrait de lui. Vous avez une étonnante mémoire. Allons, réveillez-vous, le dîner est prêt. Allez, tapez sur le gong. Entrez. Oui, qu'y a-t-il? Oh! Il est dommage que Lord Sinclair ne puisse pas dîner avec nous. J'espère qu'il nous rejoindra pour le café. Je crois pouvoir dire qu'il fera tout son possible. Je tiens énormément à sa présence au cours de notre discussion. Oui, bien sûr. Il a simplement eu un empêchement inattendu. Bonsoir, Jackson. Bonsoir, mon vieux. Alors, ça va? Et que faites-vous ici? Je suis venu ranger les vêtements de Lord Sinclair. Il va falloir servir le café en bas dans quelques minutes. Allez, redescendez. Jackson, il n'est pas nécessaire de me dire ce que je dois faire ou non, paysan. Oh! L'authentique Lord Brett Sinclair voudrait-il se lever? D'accord. Quelle faute ai-je commise? C'est le troisième Sinclair du nom qui vous a trahi. Son histoire n'est mentionnée nulle part. C'est une faute idiote de ma part. Vous avez aussi le grain de beauté des Sinclair. Il figure sur tous les portraits. Un petit détail auquel je ne pensais pas. Je suppose que c'est la fin d'une magnifique amitié. Non, ne croyez pas ça. Quand tout sera terminé, faites-moi signe. Maintenant, il est grand temps de commencer. Et tout d'abord, monsieur le Premier ministre, j'ai une petite confession à vous faire. Je suis impatient de l'entendre. Nous n'avons aucun lien quelconque avec le gouvernement de ce pays. Nous sommes là en tant que représentants d'un gros consortium de compagnies minières qui sont intéressées par les gisements de nickel 2 ans 10. Nous savions que vous refusiez toute discussion avec les intérêts privés avant même d'écouter leurs conditions. Mais nous avions l'espoir de réussir à vous convaincre après vous avoir parlé. Cette révélation n'est pas trop désagréable, qu'en dites-vous? N'en sais rien.
Mais continuez donc, messieurs, vous avez sûrement d'autres mensonges à confesser. Eh bien, qu'avez-vous d'autre à avouer ? Restez là et faites qu'on nous laisse en paix. Qui a la clé de la cellule ? Mademoiselle Sadler. Mais sois tranquille, Sinclair n'a aucune chance de sortir vu l'épaisseur de la porte. Très bien, retourne vite à la cuisine. Et surveille donc le remplaçant. Je me demande bien ce qu'il peut fabriquer. Maintenant, le plus important. 85% des bénéfices iront au consortium. C'est tout ? Vous êtes encore plus cupide que malhonnête. Il est naturel qu'il nous revienne des intérêts si on considère que c'est après tout un gros investissement. Quant au reste des bénéfices, 10% iront au gouvernement de Zandi. Et les derniers 5%? Ils sont versés dans un compte en Suisse pour vous. À combien pensez-vous que ça monterait? Disons 1 million de livres dans les 5 prochaines années. C'est un joli magot. Mais père... Et une somme de 100 000 livres sera tout de suite mise sur votre compte en avance sur les futurs bénéfices. Je voulais seulement savoir quelle est la somme exacte que je ne vais pas gagner. Kibou, trouvez une voiture, nous partons tout de suite. Notre présence devient inutile. Non, Richard. J'ai peur qu'il vous faille conclure cette affaire avant de partir d'ici. Vous ? Oui, j'ai réglé tous les travaux préliminaires. Et votre refus de coopérer avait été prévu, bien entendu. Alors, il existe déjà un autre plan. Asseyez-vous. Je crois qu'il est plus sage d'obéir. Jackson. Peut-être voudriez-vous quelques minutes d'intimité pour parler de cela avec votre fille. J'ai déjà pris ma décision. Eh bien, changez-la alors. Jackson va vous conduire à votre chambre où vous pourrez réfléchir en paix. Emerson restera avec vous pour vous rappeler quelle est l'alternative. Quand vous l'aurez bien comprise, je sais que vous changerez votre manière de penser. Vous ne réussirez pas à obtenir mon accord en me menaçant. Vous tenez donc si peu à la vie de votre fille ? La vie est probablement difficile pour ceux qui traînent le fardeau de l'honnêteté et de l'intégrité. Je remercie le ciel de n'avoir jamais été embarrassé par ça. Vous croyez que la menace de tuer sa fille marchera ? Ma chère Mélanie, ce n'était pas une simple menace. John, vous prétendez que vous la tueriez ? Alors, allons, Mélanie, contrôlez vos sentiments. En bas, l'action se déroule là-haut. Danny, fais-moi vite sortir. J'ai pas la clé, c'est Mélanie qui l'a. Mais pousse-toi un peu, je vais enfoncer la porte. Allez, pousse-toi. Non, ne fais pas attention. Mais écoute-moi, Danny. Écarte-toi, tu vas... Oh, mon épaule. Mais arrête de jouer les comiques. Oh, je l'aurai, cette porte. Maintenant, écoute-moi. Oui, mais Il y a une issue par le passage secret. Ah oui? Mais elle est coincée. Ah. Je pense qu'on peut l'ouvrir de l'autre côté. Oui, par où y va-t-on ? Par l'entrée secrète, située dans la bibliothèque. C'est la pièce où se trouve le plus de monde pour l'instant. C'est un obstacle négligeable, Daniel. Oh, hein. Alors, une fois que tu seras dans le passage, oui. Tu tournes à gauche. D'accord. Ensuite, à droite. C'est à droite. Et encore à droite. Et encore à droite.
Et à gauche sur la fin. Je voulais vous avertir au sujet. Oh, il y a le feu là-haut. Attendez, vite. Je tenais à vous apprendre qu'ils veulent tuer la fille de Congoto. Ça serait dommage. Allez, ouvrez la fenêtre. Avertissez les gardiens, tout le monde dort, il nous les faut. Oh, venez donc voir ça! Réunissez tous nos hommes et descendez les rattraper. Ils ne peuvent plus nous échapper. Mais où va-t-on? Il a dit à gauche d'abord. Non, je crois qu'il voulait dire à droite. Ah, non, finalement, il avait dit... Pourquoi je parle avec cet accent? Mais... Descendez, rattrapez-les. On a besoin d'hommes en bas. Allez, aidez vos amis. Mais ne vous réjouissez surtout pas trop vite. Tout sera bientôt réglé selon nos goûts. Il vaudrait mieux ne pas jouer au héros et signer. Et si je signais, qu'est-ce qui empêcherait de dénoncer le contrat au moment où je partirais, en faisant savoir qu'on m'a arraché ma signature de force? Nous garderons un atout. Votre fille restera ici. Cette précaution vous empêchera certainement de le dénoncer. Vous disiez qu'il y avait une alternative. Vous êtes parti de la Zandie dans un secret quasi total. Monsieur Kibou s'arrangera pour qu'une considérable somme d'argent devienne introuvable. La presse annoncera alors que vous avez quitté votre pays et vous serez considéré comme un profiteur qui est parti les poches pleines. C'est donc ça. Il est tellement plus simple de signer. Daniel? Oui, c'est moi. Qui est avec toi? Une nouvelle recrue. C'est Mélanie. Et une jolie recrue. Non, comment est-ce qu'on... Il y a un levier de ton côté, tu le vois? Oui. Alors, tu le trouves? Oui. Tiens, le voilà. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ben, j'y suis pour rien, moi. Pousse le pan de mur. Poussez le... Alors, allez-y, poussez. Mais pousse... Allez, descendez chercher Sinclair. Jackson, une minute, voyons. La clé. Ah, c'est quand même plus passionnant que la chasse aux lapins. Ah, attends, un instant. Essaye un régime amaigrissant. Tu reconnais qu'il agisse vite. En voilà un excellent. Nous avons de la compagnie. Qui ça? Tire-moi. Mais oui, vite. Vite. Allez. Allez. Ah, je me suis senti maigre tout à coup. Non, de ce côté. Tu sais où ça mène? Non, demi-tour. Vite. Et maintenant? Allez, on remonte. Vite, vite!
Lord Sinclair. J'espérais bien vous revoir. J'aimerais pouvoir en dire autant. Et Mélanie, vous me surprenez. Je vous croyais bien trop ambitieuse pour devenir bêtement sentimentale. Excusez-moi, c'est ce que certains appellent la roulette mexicaine. Ah, je vous comprends mal. Écoutez, si vous tirez sur moi, mon ami tire sur le vôtre. Ah oui? Mais oui. Alors? Attendez, une minute, les gars. Allez-y doucement. Il s'agit d'un malentendu. Je ne cherche pas... Tenez, c'est à vous, ça, d'abord. Occupe-toi de lui, Daniel. Regarde ça. C'est ça qui est pénible dans tous ces pays qui se disent modernes. Il ne se passe jamais rien. C'était facile, tu sais. J'ai exécuté une double feinte. Ce bandit s'est fendu dans l'intention de me toucher. J'ai riposté d'une attaque au flanc, et puis là, je l'ai eu. Tu sais, il n'y a aucune raison valable de ne plus porter aujourd'hui des épées, des baudriers, tout le reste. Non, il n'y a aucune raison, Daniel. Ce que tu dis est très intéressant, mais ces duels devaient être lassants. Écoute, tu es fatigué, peut-être. Non, c'est curieux. Pas du tout, même. Et je serais très content de faire de nouveaux assauts avec un partenaire à la hauteur. Daniel, j'ai passé une semaine épuisante. Oh, ne dis pas ça. On est bien ici. Regarde cette maison. Oh, quelle atmosphère. Ça devait être merveilleux de vivre ici. Écoute, imagine que tu aies vécu à cette époque. Si quelqu'un t'ennuyait, t'avais le droit... Daniel, tu as sûrement envie d'aller visiter les lieux à fond. Non, j'irai dans la matinée. Mais non. Non, j'étais en train de te dire que... Assez... Ouvre-moi. J'ai un cousin qui a erré dans ces galeries durant des semaines. Des semaines et des semaines. Brett, ouvre-moi. Poussant lui aussi des cris de ce genre-là.